Et voilà, on y est, c'est le match qu'ils attendaient. C'est leur entrée en lice dans cette Coupe du Monde. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite au Lusail Stadium pour vivre ce match. C'est le duel que tout le monde attend. Bienvenue au Lusail Stadium. Dans quelques secondes, la rencontre va pouvoir commencer. Pour vous accompagner, votre duo de commentateurs franco-argentins au programme ce premier match de poule du mondial pour ces deux pays. Et on le devine déjà dans l'atmosphère générale, c'est un match magnifique. Il n'y a rien qui ressemble à un match de Coupe du Monde. C'est toujours une émotion particulière pour les joueurs, mais aussi pour les supporters. Alors, la compo pour le Brésil. Dans le but, on retrouve Alisson, Marquinhos avec Thiago Silva en défense centrale. Casemiro sera épaulé par Lucas Paqueta au milieu. Et enfin, en attaque, ça jouera donc avec une pointe. On va s'intéresser à la composition de cette équipe. La formation 3-5-2, c'est ça le cauchemar des Carrioleux. Ça repose toujours sur le gros travail des latéraux. Et voilà, c'est parti pour ce match de poule de Coupe du Monde. Tadic. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Lucas Paqueta. Ce ballon pour Dusan Tadic. Le ballon pour Vlahovic. Ça sort, c'est corner. Le corner. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Qu'est-ce que c'est bien défendu! Et ça joue sur Tadic. Opportunité pour mener. Alisson pour l'intervention, le miracle. Vinicius. Et ça joue sur Vinicius. Et ça joue sur Fred. Regarde qui va jouer là pour Neymar. Et attention là, Neymar. Et le but, quelques minutes de jeu, et déjà les filets tremblent, c'est bon pour le spectacle. Sur le chemin de but, il élimine parfaitement son adversaire, et peut conclure ensuite, c'est magique. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage.
Tadic. Bien sûr que l'arbitre signale la faute, le coup franc à suivre. L'arbitre désigne l'endroit de la faute, mais ne met pas la main à la poche. L'avertissement verbal a été préféré au carton jaune. C'est bien lui, sa bonne interception. Nemanja Gudelj. L'attaque se poursuit, elle se développe. Ah non, finalement le ballon est perdu. Vinicius. Le ballon pour Lucas Paqueta. Rafinha. Le ballon pour Neymar. Et Neymar perd le ballon. Un face à face à négocier. Et ballon rendu. Attention, ce n'est pas fini. Et le but. Voilà. Ce match qui est relancé. Cette rencontre qui repart avec cette égalisation. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la surface? C'est incroyable de voir la moitié de la défense qui attend. Mais qui attend quoi? Le train? Il est déjà passé le train. Il est au fond du filet. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Rafinha. Ballon transmis à Neymar. Et le Brésil en approche. Ah, la défense est battue. Quelle occasion manquée. On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. Et ça passe par Casemiro. Et non, ballon perdu. À la réception, Paqueta. Intervention réussie sur ce ballon. Corner qui est bien ajusté. La défense éloigne le danger sur ce corner. Et ça joue sur Fred. Ah ouais, quel beau geste défensif. Excellent timing. Avec des possibilités là pour le Brésil. Le ballon pour Neymar. Ah oui, excellent ballon. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, c'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien boucher les angles des frappes. Il est joué court. Il s'est bien défendu, le centre est repoussé. Bon timing pour cette reprise de la tête. Quelle occasion! La tête a failli tromper tout le monde. Hein. Le ballon est venu frôler le poteau et du mauvais côté. Tadic. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Et le contre est possible maintenant. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Le ballon pour Philippe Kostic. Et il remporte le duel, bien défendu.
attention à ce ballon donné dans la profondeur. Ça joue avec Rafinha. Et bien fait, attention à l'occasion. Et oui, le but, ce but pour reprendre le dessus. Cette rencontre bascule à nouveau. Dès le démarrage, il a éliminé du monde avant de finir très proprement devant le but. On a pu voir des grandes qualités des finisseurs, mais aussi de la lucidité dans le dernier geste. C'est ça le plus difficile à accueillir. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Attention, voilà un bon duel. Le tir est puissant, mais le 1 contre 1 est perdu. Il faut garder toute sa lucidité dans son genre de situation. Eh oui, le ballon dans leurs pieds. Vinicius. Le ballon pour Neymar. Alors il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer. Il laisse l'avantage. Le ballon pour Casemiro. Ah, la frappe est contrée. Corner. Pas vraiment de danger là sur ce corner. Ballon renvoyé par la défense. Et ça joue sur Fred. Oui, un bon ballon vers le second poteau. Et c'est capté là sans trop de problèmes. L'arbitre siffle. C'est donc la fin de cette première mi-temps au Lusail Stadium. Allez, c'est parti pour ce match de phase de groupe de Coupe du Monde. Et à quoi jouer là pour Neymar? Et attention là, Neymar. Et le but, quelques minutes de jeu et déjà les filets tremblent. C'est bon pour le spectacle. Un face-à-face à négocier. Et ballon rendu, attention, ce n'est pas fini. Ce match qui est relancé, cette rencontre qui repart avec cette égalisation. L'intervention réussie sur ce ballon. Le ballon pour Neymar. Et c'est maintenant pour Fred. Ah oui, l'excellent ballon. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien boucher les angles des frappes. Bon timing pour cette reprise de la tête. Quelle occasion! La tête a failli tromper tout le monde. Hein. Le ballon est venu frôler. Ça joue avec Rafinha. Et bien fait, attention à l'occasion! Attention, voilà un bon duel. Le tir est puissant, mais le 1 contre 1 est perdu. Il faut garder toute sa lucidité dans son genre de situation.
La frappe est contrée. Allez, c'est reparti la deuxième période donc dans ce match de phase de groupe de Coupe du Monde. Nemanja Gudelj. Oui, le bon geste défensif. Et ça joue avec Neymar. Oh, Neymar, pourquoi pas une frappe? Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Kostic avec le ballon. Oh, Alisson qui va aller chercher ce ballon. Le corner. La défense s'en sort facilement. Ballon bien dégagé. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Très bonne anticipation pour récupérer ce ballon dangereux. Le ballon qui est venu taper le menton sur cette action. Dommage pour l'égalisation. Fred avec le ballon. Le dégagement raté et du coup l'action n'est pas finie. À la défense s'en sort bien sur l'action. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Et ça joue sur Tadic. Le tir peut-être pour égaliser. Le gardien s'illustre bien. Fred. Lucas Paqueta. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Ça joue avec Rafinha. Un tacle parfaitement exécuté pour récupérer la possession. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Et oui, le bon réflexe. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Allez, c'est joué court. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. À une occasion de contre à négocier. Le ballon pour Neymar. Neymar. Et c'est dedans. Le but pour le doublé, magnifique. Il n'y a pas de secret. Quand la confiance est là, les buts s'enchaînent. Quand le mental est présent, les performances sont exceptionnelles. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Alors que le match reprend, nous rappelons le score, 3-1. La défense est battue. Lucas Paqueta. Et voilà un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il ne laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part.
Voilà, le remplacement intervient. Le corner. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Et ça passe par Casemiro. Le ballon pour Rafinha. La frappe sur la barre, c'est pas fini. Non, ça ne donne rien. La défense dégage le ballon. C'est une très bonne occasion qui vient finalement lécher les montants. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Et le Brésil en approche. Rafinha. Et voilà une grosse frappe, mais elle passe assez loin du but. Il faut gagner en précision, en justesse pour les prochaines fois. Un changement à venir pour le Brésil. Les stats de possession qui s'affichent sont en faveur de la sélection brésilienne. Et même si la possession... Bien joué, oui, vous avez vu ça? Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien bouger les angles de frappe. L'équipe essaye de jouer en deux temps. Le centre de Vinicius... Bon pressing, très bonne récupération. Dusan Tadic. Ah, évidemment, le coup franc est signalé sur ce tacle appuyé. Et pas sûr que l'arbitre d'ailleurs en reste là. C'est un carton jaune pour Marquinhos. Un carton qui veut dire attention monsieur, je vous ai à l'œil. Elle arrête sans difficulté pour Alisson. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Ouais, bien joué, le duel est remporté. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Excellent, le geste défensif là. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Ah, ça joue avec Neymar. Oh, c'est un bon ballon ça. Et voilà, la note qui s'alourdit encore un peu plus dans cette fin de match avec ce but. Les voilà maintenant à plus 3. Passe, remise dans la course. L'un d'eux, c'est magnifique. On s'est effectué dans le tempo parfait. Et c'est imparable pour la défense. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force? C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Et le récital en attaque se poursuit, ce nouveau but en est la preuve, la défense est vraiment en souffrance. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. Le ballon pour Philippe Kostic. Et ce ballon est finalement intercepté. Oh là là, quelle intervention mal maîtrisée. Et attention parce que ça peut lui valoir des ennuis. Et l'arbitre sort le carton jaune pour cette faute, c'est mérité. Très bonne décision. Absolument.
l'interception là et le ballon perdu par le Brésil. Et avec les arrêts de jeu, nous aurons droit à 4 minutes de temps supplémentaire. Oui, il s'est bien fait ça. Touche à suivre. Milinkovic-Savic. Avec Milinkovic-Savic. Ballon pour Jovic. Le coup sifflet final, donc dans cette rencontre, on va en rester là avec une victoire à domicile. Une performance vraiment intéressante, convaincante. J'ai pris beaucoup de plaisir à les voir évoluer tout au long du match. Neymar à l'image, évidemment, il a tout. La classe, la fantaisie, la virtuosité. Un match spectaculaire du Brésilien. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence a pesé sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse. On a tout à jouer là pour Neymar. Et attention là, Neymar. Et le but, quelques minutes de jeu, et déjà les filets tremblent. C'est bon pour le spectacle. Un face-à-face à négocier. Et ballon rendu, attention, ce n'est pas fini. Et le but, voilà, ce match qui est relancé, cette rencontre qui repart avec cette égalisation. Intervention réussie sur ce ballon. Le ballon pour Neymar. Et c'est maintenant pour Fred. Ah oui, l'excellent ballon. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien boucher les angles des frappes. Bon timing pour cette reprise de la tête. Quelle occasion! La tête a failli tromper tout le monde. Hein. Le ballon est venu frotter. Ça joue avec Rafinha. Et bien fait, attention à l'occasion. Attention, voilà un bon duel. Le tir est puissant, mais le 1 contre 1 est perdu. Il faut garder toute sa lucidité dans ce genre de situation. Ah, la frappe est contrée. Et ça joue avec Neymar. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Oh, Alisson là qui va aller chercher ce ballon. Magnifique, il n'y a pas de secret, quand la confiance est là, les buts sont... Lucas Paqueta. Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment... Et le Brésil en approche. Rafinha. Et voilà une grosse frappe, mais elle passe assez loin du but. Il faut gagner en précision, en justesse pour les prochaines fois. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien boucher les angles des frappes. Dusan Tadic. Et ça joue avec Neymar. Oh, c'est un bon ballon, ça. S'alourdit encore un peu plus dans cette fin de match avec ce but. Les voilà maintenant à plus 3.
Et l'arbitre sort le carton jaune pour cette faute. C'est mérité. Très bonne décision. Absolument.